Bonjour à tous, c'est Delphine, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale, guidance à six choix. Est-ce que je vais rencontrer la personne cet automne? Si vous visionnez cette vidéo au moment où on n'est pas sur la période automnale, est-ce que je vais rencontrer la personne dans les 3 mois? Alors, pour vous aider dans le choix, je vous ai préparé 6 tas. Choisissez comme d'habitude à l'intuitif. Voilà, je vous présente les tas. Le premier, la chaussure. Le deuxième, le dé avec le chiffre 2. Troisième tas, la pile. Quatrième tas, la hache. Cinquième tas, l'ampoule. Et sixième tas, ici, l'anneau. Voilà, je vous laisse choisir. On va tout de suite se retrouver, nous, pour le groupe numéro 1. Une guidance après avec le tarot. Oui ou non, est-ce que je vais rencontrer cette personne? Guidance simple, rapide, efficace, avec des messages de la voyance de Joe de Sol Shadow Tarot qui a sa chaîne. Voilà, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je suis ravie qu'on passe ce moment ensemble. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Merci, ça fait vivre la chaîne. A tout de suite pour le groupe numéro 1. Bienvenue à vous, groupe numéro 1. On va tout de suite se retrouver pour la guidance. Est-ce que je vais rencontrer la personne cet automne ou est-ce que je vais rencontrer la personne pendant cette période de 3 mois? Allez, on va faire une guidance, oui ou non. C'est très simple, en faisant 4 tas. Je prends maximum 13 cartes sur chaque tas et je m'arrête dès que j'ai un as. Si à la 13e carte, je n'ai pas d'as, je passe au tas suivant. 4 as, un grand oui. 3 as, certainement oui. 2 as, c'est ni oui ni non. Et en dessous, c'est non. Et on ira voir pourquoi. Allez, c'est parti. Groupe numéro 1. Est-ce que je vais rencontrer la personne durant ces 3 mois qui suivent? Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13. Ok. Deuxième tas. 1, 2, 3. As de denier. Troisième tas. 1, 2, 3, 4. Yeah. As d'air. Quatrième tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Allez, on va regarder les cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a 2 as. On a l'as de denier, on a l'as d'air, ok, entouré du 3 de feu et du 7 de feu, ok. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ni oui, ni non. Concrètement, l'as de terre, des possibilités d'ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire des possibilités de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes durant en fait ces 3 mois comme ça qui vont venir. Ça va se brasser, voilà. Avec l'as d'air, vous allez avoir clair sur la personne, le ou la personne, en fait, qui vous feront vibrer. Mais vous voyez, les cartes, elles ne répondent ni oui, ni non. C'est-à-dire qu'on est là dans l'entre-deux. Quelles sont les cartes qui entourent, en fait, ici, les deux as? Vous remarquerez qu'on n'a ni les bâtons, la passion, ni les cœurs. Ça veut dire que vous avez une vision claire de la personne que vous souhaiteriez rencontrer. Vous avez également ces possibilités comme ça de pouvoir rencontrer des personnes et rencontrer des personnes nouvelles, je veux dire, soit physiquement, soit par l'intermédiaire d'un groupe, soit par l'intermédiaire de réseaux sociaux. Mais pour l'instant, ça ne fait pas vibrer parce qu'il manque le cœur. Voilà, il manque le cœur. Et vous êtes entouré de ces deux cartes. À chaque fois, on a le 3 de feu et on a le 7 de feu.
Donc, dans ce tarot, en fait, ici, ça a des significations particulières. Avec le 3 de feu, on va vous demander de trouver des nouvelles idées pour avancer, peut-être d'être plus créatif. Sous l'impulsion, en fait, vous voyez ici du bélier en soleil, peut-être qu'on vous demande aussi de plus rayonner. Alors, moi, je vois plus, beaucoup plus de rencontres au niveau amical, mais pour l'instant, au niveau sentimental, ben, c'est pas ça. Voilà. Et on vous invite à beaucoup plus de créativité, beaucoup plus. Alors, c'est pas des échanges, parce que des échanges, en fait, il y en a, mais il y a l'idée, en fait, ouais, voilà, comme ça, de trouver des nouvelles idées pour pouvoir avancer et pour pouvoir trouver cette nouvelle personne. On commence par le 3 de feu et on clôture par le 7 de feu. Donc, vous voyez, il y a quand même ici une progression. Et sur le 7 de feu, qu'est-ce qu'on nous indique? On nous indique en fait ici de garder votre force intérieure, d'être attentif, ouais, d'être attentif ici au signe du destin. On pourra vous envoyer des messages pour aller directement vers les personnes qui, là, pour le coup, vous feront vibrer. Mais en tout cas, les cartes vous disent que pour l'instant, ce n'est pas tout de suite. Voilà. On vous dit de rester déterminé. Enfin, déterminé. C'est pas le fait de rester déterminé. C'est ce que vous devez faire, c'est trouver comme ça de nouvelles idées. Après, en fait, ici, il y a quelque chose où on vous amènera directement vers ces nouvelles personnes. On va aller voir le message, pardon, de Joe, message cash. Alors, la compétition risque d'être rude. Accroche-toi, mets en place des nouvelles idées. Alors, tu le vois, le panneau stop là. Ok, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour de vous, il y a beaucoup de monde. Vous brassez énormément de monde. Donc, si vous avez envie, j'ai envie de dire de pas de sortir du lot, mais de vous démarquer en fait des copains et des copines. Soyez inventif, soyez créatif, faites ressortir des aspects de votre personnalité, ben justement qui vont faire tilt à la personne en face. Voilà. Tu le vois, le panneau stop là. Quand votre intuition, quand votre discernement vous dit attention, là, c'est pas la bonne personne, croyez-y, c'est pas bon. Et là, tout de suite, hop, c'est un stop, c'est non. Voilà, donc ni oui ni non, soyez créatif, avancez, continuez votre chemin et laissez faire le flow qui justement vous guidera vers la nouvelle personne. On se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 2 et si vous avez aimé, un petit pouce, likez, partagez, commentez. À tout de suite. Ciao, ciao. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi le dé avec le chiffre symbolique, le 2. Voilà. Se trouve sous ce dé un message de l'oracle la voyance cache de Joe. On nous dit qu'il nous donnera son avis sur est-ce que je vais rencontrer la personne, soit pour cet automne ou durant cette période des 3 mois ici qui s'annonce. On fait une guidance rapide. Oui ou non, et après explication et conseil, voilà. Très simple, je vais faire 4 tas. Je sors maximum 13 cartes, je m'arrête dès qu'il y a un as. Au bout de 13 cartes, s'il n'y a pas d'as, je passe à un autre. 4 as, c'est un grand oui. 3 as, certainement oui. 2 as, ni oui ni non. En dessous, c'est un non. Allez. Hop. Et ensuite, après, on fait une lecture intuitive. Des cartes. Allez, groupe numéro 2, est-ce que je vais rencontrer la personne cet automne? Est-ce que je vais rencontrer la personne bah, durant les 3 mois qui suivent cette vidéo à partir du moment où je vais la visionner? Allez, premier tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 4 de feu. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As d'eau. 1, 2, 3,
9, As de terre. Ok. As d'air. Bon, vous avez vu comme ça a été cash. Ok. Très probablement, oui. Très probablement, oui. On a 3 as et non des moindres. As d'eau, as de terre, as d'air. Ici, on a le 4 de feu. Ok. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque directement, en fait, ici, ces 3 as. Des possibilités de pouvoir rencontrer la personne dans les 3 mois, oui. Clairement, en fait, ici, il y a les sentiments. Ou quelque chose qui va s'éveiller en vous. Hein. Je vous rappelle que les as, c'est un potentiel. Un potentiel également pour que cette relation, elle puisse s'ancrer. Pour que cette relation, elle puisse s'enraciner. Donc, quelque chose de très bien, voyez. Quelque chose qui pourra s'enraciner dans la terre. Quelque chose qui pourra prendre forme. Quelque chose qui pourra grandir aussi. Ok. On termine par l'as d'air. Et voyez, à chaque fois, à chaque tas, on a eu une vision de plus en plus claire. Donc, vous serez quand ce sera la bonne personne. Vous le sentirez en vous. Vous le sentirez directement. Alors, quel est... il manque l'as de bâton. Est-ce qu'on l'avait juste derrière? Non. On ne l'avait pas. Hein. Je regarde les autres cartes. Ouais. Ça veut dire que c'est peut-être pas quelque chose de très, 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 très passionnel. Comme vous savez, des histoires comme ça qui arrivent et qui partent comme ça aussi vite qu'elles sont arrivées, mais en tout cas, un réel potentiel pour pouvoir rencontrer la personne, soit durant cette période des 3 mois ou durant cette période d'hiver, une période avec une personne, pardon, avec qui justement vous aurez des possibilités de construction. Et c'est exactement le message qu'on a là ici des cartes. Et vous saurez exactement quoi faire et comment évoluer au sein de cette relation. Donc, et puis en plus, vous voyez, ici on avait le chiffre 2. Donc faites confiance au hasard. Voilà, des possibilités pour que ce 2 se mette en place. Quel est le message de Joe ? Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Bon ben, let's go, tous les feux sont verts, allez-y, c'est le bon timing. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très très vite. On se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Et n'oubliez pas, je suis fan de toi. Sois fan de toi, moi je le suis. Votre autre, il est fan de vous. Foncez. Allez, à tout de suite, groupe numéro 3. Bonjour à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi la pile. Alors, on se retrouve pour la guidance. Est-ce que je vais rencontrer la personne durant cet automne? Est-ce que je vais rencontrer la personne dans les 3 mois à venir, à partir du moment où je visionne cette vidéo? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On prendra un message en fin de guidance de la voyance cash de Joe. Voilà, et on va faire un tirage très simple, oui, non, avec le tarot. Je vais faire 4 tas. Je prends maximum 13 cartes par tas et je m'arrête à chaque fois qu'il y a un as. 4 as, c'est un grand oui. 3 as, c'est très probablement oui. 2 as, ni oui ni non. Et en dessous, forcément, c'est non. Allez, on va se concentrer. Concentrez-vous. Groupe numéro 3. Est-ce que je vais rencontrer la personne cet automne? Est-ce que je vais rencontrer la personne pour ceux et celles qui visionneront cette vidéo et pour une durée de 3 mois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 et 13. Roi d'air. Non. Deuxième tas. 1, 2, 3, 4. As d'eau. 1, 2, 3. Bien. As d'air. Ok. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13. Ok. Alors, on a terminé le tirage. J'ai cru qu'on allait avoir un troisième as. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'aime bien des fois regarder. Ok. Bon. Alors. Groupe numéro 3. C'est ni oui ni non. Ok. Alors, vous, clairement, vous allez avoir le cœur qui papillonne durant ces 3 mois à venir. Ok. Par contre, avec l'as d'air suivi en fait du set d'eau derrière. Pour moi, vous allez avoir des problèmes en fait à faire des choix. L'as d'air nous indique en fait le discernement, le fait d'avoir des idées claires, le fait de savoir avancer comme ça rapidement. Mais vous voyez, en première carte était sorti ce roi d'air. Je pense que ce roi d'air, l'énergie en tout cas que représente ce roi d'air, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est pour la personne de votre cœur. Et vous allez avoir du mal à percer à l'intérieur du masque. Voyez, vous allez avoir du mal. Des problèmes à faire un choix clair. Et pourtant, en fait, il y a les sentiments. Juste derrière, pas très loin, alors juste 4 cartes après, vous voyez, on avait l'as de feu. Donc, je pense qu'il y a quand même de la passion, en tout cas une envie physique. Mais pour l'instant, ça ne matche pas. Alors, on va juste demander sur les cartes restantes pourquoi ça ne matche pas. Allez, pourquoi pour l'instant ça ne matche pas avec votre autre? Ok, valet d'air, 10 d'air. Pourquoi pour l'instant ça ne matche pas avec votre autre? Ok. Alors, on vous dit clairement en fait ici de lâcher prise. Voilà. Faites confiance comme ça à vos guides. Laissez-vous guider. Vous voyez, vous avez cette petite lanterne. Je pense qu'à mon avis, il faut vous détacher. Il faut vous détacher de ça. À partir du moment, en fait, ici où vous allez vous détacher, c'est là où vous aurez cette possibilité de pouvoir recueillir comme ça cette abondance et d'attirer à vous la personne qui vous correspond. En tous les cas, là, en fait, ici, sur cette personne, en tout cas la personne à laquelle vous avez pensé au moment où vous avez visionné ce tirage, c'est pas vraiment la bonne pour vous. Vous voyez, avec le 5 de terre, ce qui peut bloquer en fait dans vos énergies, soit ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème d'argent, ça peut être un problème en fait de travail, mais vous voyez, il y a comme ça cette énergie de manque qui fait que ici, vous voyez, il y a un vide. Ne cherchez pas à le remplir, puisque avec le set d'eau, les choix que vous ferez ne seront pas forcément les bons pour vous. Et encore une fois, la personne auquel vous avez pensé, c'est une personne qui avance comme ça, en fait, ici masquée. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des personnes pour vous. Lâchez prise. Et du coup, vous allez voir que justement, vous allez vous recharger avec la pile. Quel est le conseil de Jo? Voilà, c'est le moment de passer un appel à un ami. C'est le moment d'aller voir vos potes. C'est le moment d'aller voir, en fait, la copine qui vous fait rire. Le copain super sympa où vous allez passer des bons moments, où vous allez vous vider la tête et vous allez sortir, en fait, ici de cette attirance qui n'est pas très saine pour vous. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer sur votre chemin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 4. Bienvenue à vous, groupe numéro 4 qui avait choisi la hache. Alors, on va voir si vous avez besoin de couper quelque chose. Mais pour l'instant, répondons à la question, est-ce que vous allez rencontrer la personne, soit durant cet automne
Ou si vous visionnez cette vidéo au moment où c'est pas du tout l'annonce de l'automne, dans les 3 mois à venir. Réponse très simple, avec le tarot, on va faire une réponse oui, non et conseil. Je fais 4 tas, maximum 13 cartes et je m'arrête dès qu'il y a un as. 4 as, c'est un grand oui. 3 as, probablement oui, très certainement. 2 as, ni oui ni non. Et en dessous, c'est non. Allez, on va tout de suite découvrir ensemble. Groupe numéro 4, est-ce que vous allez rencontrer la personne pendant la période des 3 mois qui s'annonce? Est-ce que vous allez rencontrer la personne, pour cet automne, si vous visionnez cette vidéo ici et maintenant? Voilà, on est quasiment à fin septembre. Allez, c'est parti, groupe numéro 4. On va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, bon, alors d'ores et déjà ce sera ni oui ni non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, bon, déjà c'est un non. On va aller voir le dernier tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors, groupe numéro 4, c'est un non. Alors, pourquoi c'est un non? Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Ok. Mais pour l'instant, en fait, vous avez un autre travail à faire. On vous dit en fait de travailler, d'être beaucoup plus, d'être dans des énergies beaucoup plus légères, de travailler sur votre enfant intérieur. Oui, voilà, de travailler sur vous, de travailler en fait ici sur ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, en fait, on a 2 fois en fait la Terre. À partir du moment où vous allez travailler sur vous, où vous allez travailler sur votre enfant intérieur, les passions, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous procure du plaisir, qu'est-ce qui vous donne de la joie, qu'est-ce qui vous permet d'être spontané comme un enfant, voilà. C'est là du coup où vous allez pouvoir rayonner, voilà. Hein, donc le message d'éclair en fait ici il est plutôt clair. 8 d'eau, voilà, beaucoup trop d'émotions qui vous traversent actuellement. On vous demande en fait ici de prendre du recul, vous voyez, sous l'impulsion de Saturne, je ne sais pas si vous le verrez bien, ouais. On vous demande en fait ici de prendre du recul en fait par rapport à vos émotions. Vous avez certainement en fait ici beaucoup trop d'attentes sur une hypothétique relation qui pour l'instant malheureusement n'existe pas. On vous dit que la clé, elle est là. C'est un travail sur vous, c'est un travail sur votre enfant intérieur. Développer votre créativité, développer votre passion, développer en fait la spontanéité, tout ce qui fait que justement ben, vous allez pouvoir vous ouvrir. Et plus vous vous ouvrirez, et mieux ça matchera. On va aller voir, donc, on était bien voilà, sous le thème de la hache. Il faut donc couper comme ça avec ces émotions en fait ici qui vous emportent trop pour pouvoir retrouver... de la gaieté, de la spontanéité avec l'enfant intérieur. Quel est le message de Joe? Alors, oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Ok. Revois ta copie avant. Je pense qu'on est assez clair en fait ici avec les messages. Il y a baleine sous gravier. À mon avis, en fait, vous, il y a quelque chose que vous devez déterrer. Voilà. Potentiellement, ça n'arrive pas parce que vous avez ceci d'abord à travailler en vous et quitter comme ça ce flot émotionnel qui vous submerge beaucoup trop.
Voilà, groupe numéro 4. Ben écoutez, j'espère que ça aura pu vous apporter des éclaircissements sur votre chemin. Si cette guidance vous a plu, ben n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Merci à vous, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Travaillez bien sur votre enfant intérieur. Et puis, je vous dis à très vite. Merci. On se regroupe tout de suite pour le groupe numéro 5. À tout de suite. Bonjour à vous, vous qui avez choisi le groupe numéro 5 avec l'ampoule. On va tout de suite répondre à la question, est-ce que je vais rencontrer la personne, soit durant cet automne ou dans les 3 mois à venir, au moment où je consulte cette vidéo et que ça ne matche pas du tout avec la période de l'automne. En fin de guidance, on découvrira le message de la voyance cache de Joe. Un jeu de Sol Shadow Tarot. Alors, guidance très simple, oui ou non, tirage avec le tarot. Je fais 4 tas de 13 cartes maximum et je m'arrête dès qu'il y a un as. 4 as, un grand oui. 3 as, très probablement oui. 2 as, ni oui ni non. Et en dessous, c'est carrément non. 4 tas sans as, c'est carrément non. Et un tas avec un as, c'est non, mais bon, il faut voir quoi. Voilà. On va aller tout de suite regarder. Concentrez-vous sur Concentrez-vous sur l'instant présent. Est-ce que je vais rencontrer la personne, soit cet automne ou dans les 3 mois à venir? Groupe numéro 5, l'ampoule. Allez. Ouf. As de deux. Bon, écoutez, As de denier, ok. Alors, 3, 4, 5, 6, je ne m'y attendais pas à celle-là, 7, 8, 9, 10, 11, bien. As de feu, 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, ok, ok. Allez, groupe numéro 5. Alors, c'est ni oui ni non. Je dirais que pendant les 3 mois qui vont venir, eh bien, vous avez cette énergie comme ça un peu débordante, voilà, vous avez cette énergie débordante, beaucoup de passion, beaucoup de feu, voilà, beaucoup d'envie aussi, voilà, ben pour faire tout ce qu'il faut, voilà, pour déployer en fait des nouvelles rencontres. Alors, pour l'instant, ça ne matche pas. Mais je pense que vous êtes vraiment en bon chemin. Parce que là, le 3 de terre nous parle clairement en fait d'opportunités à venir. Il faudra juste, à mon avis, je pense qu'à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite. Mais cela dit, vous n'en êtes pas très loin. Voilà. Parce qu'il y a cette possibilité comme ça de pouvoir ancrer les choses. Voilà. La passion, l'envie sexuelle également, ben, elle y est. Voilà, donc ça peut matcher. Peut-être que vous allez faire simplement en fait des rencontres ou des rencontres, on va dire, assez rapides, mais ce ne sera pas forcément la rencontre, la personne avec l'amour. Voilà. Par contre, laissez-vous guider par les opportunités. On vous parle en fait quand même de période de chance, de période d'expansion. Je dirais que c'est ni oui ni non, mais c'est pas mal d'encouragement derrière. Et avec la reine de coupe, on vous dit qu'il y a quelque chose, en fait, vous voyez ici, comme ça, qui est en gestation et ça va sortir. Alors,
J'ai juste envie de prendre quand même trois autres cartes. Alors, c'était un ni oui ni non. Que manque-t-il pour rencontrer la personne? Alors, on avait vu vous laisser guider par des opportunités. Vous voyez, on a clairement en fait ici le choix qui s'est retourné. Ok, on vous parle de lâcher prise. Ok. De faire le vide, voilà, sur des choses en fait ici qui sont cachées, qui ont pu générer comme ça du conflit. Voilà. On vous dit clairement en fait ici, vous êtes bien. Voilà. Donc, lâcher prise. S'il y a des choses, des conflits en vous, je pense plus à une énergie comme ça un peu stockée comme ça en vous, ben, libérez-la, laissez-vous porter en fait par la chance. Je pense vraiment avec l'as de terre qui est sorti comme ça directement, je pense vraiment que vous êtes en bonne voie. Laissez-vous porter en fait par les opportunités. Il y a quelque chose en gestation, quelque chose qui va venir vers vous directement parce que vous êtes cette reine de terre et que naturellement, vous allez attirer quelqu'un à vous, la personne, et pas que des histoires juste internet ou des histoires très très rapides, que sexuelles. Ok. Et le message de Jo nous dit absolument. Donc, vous voyez, c'est très concordant, j'adore ce petit oracle cash. Donc pour l'instant, beaucoup de rencontres rapides, ça matche bien. Et vous allez voir, la personne, après, elle n'arrive pas tout de suite, mais ça se prépare. Bientôt, voilà. Allez, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite et on se retrouve tout de suite pour le dernier choix. Ciao. Hello à vous, groupe numéro 6, vous qui avez choisi cette bague, l'anneau. Hop, je vous la montre bien derrière la carte. Voilà. Est-ce que vous allez rencontrer la personne, soit durant cette période d'automne ou durant la période des 3 mois à venir, à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo? C'est ce qu'on va répondre tout de suite avec les cartes, le tarot. Réponse oui, non et conseil. Pourquoi, comment? Je fais 4 tas. Je prends maximum 13 cartes par tas et dès qu'il y a un as, je m'arrête et je passe au suivant. 4 as, c'est un grand oui. 3 as, très probablement oui. 2 as, c'est ni oui ni non. 1 as, c'est non, mais après, voilà. Et aucun as, c'est un grand non. Alors, on va tout de suite voir pour vous le groupe numéro 6, le dernier groupe de cette série. Est-ce que vous allez rencontrer la personne dans une période de 3 mois ou durant cet automne à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo? Groupe numéro 6, est-ce que vous allez avoir la rencontre avec la personne? Allez, on se concentre. C'est parti. Elle avait envie de venir. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, je passe au troisième tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, alors dernier tas. Et dernière carte, 13. Ouf. Ok.
Alors, pour vous qui avez choisi le groupe numéro 6 avec l'anneau, non, il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre et j'ai même envie de dire, il y a peut-être plutôt, je ne sais pas pourquoi, moi je sens plus des séparations. Il y a donc n'est pas présent ni l'as de denier, ni l'as de bâton, ni les coupes. Donc, il n'y a pas de pulsion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de vigueur comme ça. Il y a l'intellect. Okay. Et l'intellect, en fait, ici, il nous dit quoi? Il nous dit que vous allez voir clair sur votre situation. Et la carte, vous voyez, elle est intervenue après le 7 d'air, après le 6 d'air. Alors, d'habitude, c'est vrai que je ne les regarde pas. Mais là, quand même, ça m'interpelle parce que, vous voyez, en fait, ici, j'ai le 7, j'ai le 6 et j'ai le 5. Quasiment, en fait, j'ai trois cartes qui se suivent. Je pense que vous allez voir clair sur votre entourage, sur les personnes autour de vous. Alors, la question, c'est est-ce que je vais rencontrer la personne? Mais peut-être que dans votre entourage actuellement, c'est l'élément bloquant pour la rencontre avec une nouvelle personne. Voilà. Parce que justement, c'est comme si vous voyez clair sur des trahisons, comme si vous voyez clair en fait ici sur une situation que vous allez quitter parce que justement elle n'est pas bonne pour vous. Et c'est peut-être qu'en quittant cette situation, ben, ça va vous permettre après de rencontrer la bonne personne. En tout cas, je pense que dans le contexte dans lequel vous êtes, là forcément, ben, c'est pas propice. Voilà. Parce qu'on parle de trahison, on parle également de faire preuve en fait de courage. Il y a l'idée, vous voyez, on voit cette personne qui est comme ça pas sur un fil, mais qui tient comme ça en équilibre, de tenir un équilibre qui est précaire, de tenir un équilibre dans un environnement qui est rude. Voilà. Et vous allez voir super clair par rapport à ça. Deux événements majeurs, la tour et la roue de fortune. Donc, des événements comme ça qui peuvent se précipiter durant ces 3 mois. Et on vous dit que ça va changer. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va tirer trois autres cartes. Alors, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 6, comment faire pour attirer à soi la bonne personne? Alors. Comment faire pour attirer à soi la bonne personne? Comment faire pour attirer à soi la bonne personne? Allez, j'ai refait une ligne de 4. Bon, on avait vu que c'était un non, hein, pour la rencontre. Alors déjà, on vous dit croyez en vous. On vous dit que justice sera faite sur votre situation. Je pense que c'est vraiment votre environnement qui bloque pour pouvoir rencontrer ici une nouvelle personne. Alors, peut-être que quelqu'un, justement, vous regarde de loin, quelqu'un qui est encore un peu timide, ou peut-être que vous avez ce manque de confiance. Ouais, peut-être que vous avez ce manque de confiance en vous. Je pense que c'est plus une personne qui vous. Ouais, qui vous regarde comme ça, en tout cas moi c'est plus ce que je ressens, c'est plus une personne qui vous regarde comme ça de loin, mais pour l'instant ça ne matche pas. Hein. Il y a toute cette traversée, vous voyez, en fait ici à faire. Et on vous dit clairement qu'il y aura la justice, elle est sortie en premier, l'étoile, gardez confiance, vous êtes guidé, vous êtes protégé, et on vous dit que justice sera faite. Oui. Je pense qu'il y a une personne dans votre entourage en changeant en fait ici ses énergies. Vous allez attirer cette personne à vous, mais pas tout de suite. Alors, je sais pas pourquoi, moi je pense en fait ici à 9 mois, mais c'est peut-être pas forcément ça, mais c'est quelque chose qui peut venir à vous, mais y a une notion de temps, ça prendra vraiment du temps. Ouais. Et clairement, en fait, ici, on va vous rediriger sur un chemin beaucoup plus propice pour vous. Un chemin en fait ici qui sera va vous demander en fait de faire des choix en fait tangibles. Ça peut passer par l'intermédiaire du travail, voilà, peut-être de changer ses énergies,
Peut-être que ces énergies, en fait, ici, là, directement, elles concernent le travail. Mais en tout cas, pour vous, là, le message des cartes, c'est pas de rencontre avec la personne. On vous dit que vous voyez clair, en fait, ici, sur votre situation, sur des trahisons, sur un endroit malsain, en fait, ici, qu'il faut quitter. Avec des événements comme ça, impromptus, des changements, on vous dit que justice sera faite, de garder, de croire en votre bonne étoile. Possiblement, en fait, ici, des énergies beaucoup plus douces, voyez, qui arrivent après. Quelqu'un qui pourra se déclarer dans votre entourage et ça peut passer par l'intermédiaire d'un choix professionnel. Bon, écoutez, je ne vais pas m'étendre plus parce qu'on avait dit que c'était une guidance courte. J'espère en tout cas que ça vous apporte des éléments de réflexion sur votre situation. Ok, voilà. Et le message de Joe, on nous dit ça ne dépend pas de toi. Alors lâche l'affaire. Oui, c'est exactement ça. C'est le contexte dans lequel vous êtes là qui n'est pas bon. En fait, il faut sortir de ce contexte. Et on vous dit clairement que vous allez voir clair par rapport au par rapport au dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner, bien sûr. Moi, j'ai adoré vous faire ces guidances. Je vous dis à très très vite pour des prochaines vidéos. Merci à tous. Ciao, ciao.